Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Rasp Touch. Le Rasp Touch est un produit de chez Audiophonix, c'est une platine multimédia avec écran tactile en façade. Produit qui intègre, selon vos besoins, par exemple des sorties numériques ou des sorties analogiques à l'arrière et qui est composé d'un Raspberry Pi, ici dans mon cas de figure un Raspberry Pi 3B, mais ça pourrait être un Pi 3B+, ou même un Pi 2 si vous voulez mettre un Pi 2 dedans. Ce produit est à comparer avec cette platine-ci, qui est la Logitech Squeezebox, que j'ai pour l'occasion que j'ai remonté dans mon bureau pour vous faire une petite comparaison. Donc un produit qui est sorti il y a quand même quelques années et qui coûtait quand même dans les 150-200 €. Donc un produit qui est à mettre en comparaison parce que maintenant cette platine-ci ne se trouve plus. Alors Logitech avec toute une gamme de Squeezebox, ça allait de la Touch ici qui est à écran tactile avec lecteur de carte SD intégré, donc on le voit là. Avec, j'aurais peut-être pas dû le faire quand elle est allumée, avec un port USB à l'arrière ici qui permettait d'y mettre du stockage additionnel, des sorties analogiques, des sorties, donc une sortie casque, une sortie optique ici, une sortie numérique ici, et puis une prise Ethernet là pour la relier sur le réseau câblé si vous vouliez éviter de passer par un réseau Wi-Fi. Cette platine malheureusement n'est plus commercialisée, vous pouvez toujours la trouver d'occasion parce qu'elle a toujours une très très bonne réputation. Mais c'est des produits d'occasion et puis voilà, ça, c'est des produits qui sont vieillissants. Un gros problème, un de mes gros soucis avec cette platine, c'est pas tant sur la partie cliente, donc l'interface graphique et la navigation dans les différentes musiques. Mon problème, c'est le fait que ce soit au niveau du lecteur de carte SD ou du lecteur du lecteur USB, cette platine est limitée à 32 Go. Et quand vous avez des bibliothèques en FLAC, vous montez très rapidement au-delà des 32 Go. Donc ça nécessite d'avoir un deuxième appareil à côté, un NAS ou un PC qui tourne, pour y stocker vos musiques et avoir la partie serveur, qui est aussi intégrée dans cette platine Touch, disponible quelque part chez vous. Donc c'est pas très grave, cette platine me sert à écouter de la musique, je peux me limiter aux 32 Go si nécessaire, et puis sinon, elle se connecte directement sur mon NAS Synology, et donc là j'ai accès à toute la musique dont j'ai besoin. Mais j'aurais préféré avoir un seul produit, et c'est pour ça que j'ai contacté Audiophonix, qui m'a prêté ce produit-là pour... Alors c'était au départ pour quelques semaines, et puis ça fait finalement 2 mois que je l'ai, mais en tout cas qui m'a prêté ce produit-là pour vous en parler, et pour pouvoir vous montrer une alternative très intéressante et plus moderne à la Squeezebox, dans la gamme donc de chez Audiophonix. Alors, qu'est-ce que c'est précisément ce Rasp Touch ? C'est une platine multimédia donc à base de Raspberry Pi, et vous trouverez plus d'informations ici sur le site d'Audiophonix, puisque Audiophonix propose cette platine en plusieurs variantes. Soit vous l'achetez toute fabriquée, et donc vous avez ici l'ensemble des possibilités. Alors, elle existe à la fois tout équipé en sortie analogique et en sortie numérique. Donc vous voyez ici, sortie numérique, sortie analogique ici je crois, le e-sabre ici, donc sortie analogique. Il faut compter un budget entre 350 et 500 €, on va dire, en gros. Voilà, 350 et 500 € je dirais, pour une platine de ce type là. Sachant que quand vous l'achetez toute faite, elle arrive comme elle est ici, c'est-à-dire tout assemblé et fonctionnel. Et puis sinon, vous l'avez en kit, et là je vous renvoie vers ma vidéo d'assemblage, puisque toutes les parties de cette platine peuvent être achetées individuellement, donc vous pouvez acheter votre propre Raspberry Pi. Je vous montre sur l'arrière ici, vous avez le Raspberry Pi qui est branché en USB directement sur mon ampli SMSL AD18, donc vous pouvez acheter votre propre Raspberry Pi, vous pouvez acheter votre propre DAC ou votre propre sortie numérique en fonction de ce que vous voulez. Ici, le DAC Sabre est aussi l'alimentation électrique qui alimente le Raspberry Pi et la partie audio analogique ainsi que l'écran. Donc vous pouvez aussi acheter votre écran, alors il faut que ce soit l'écran 7 pouces du Raspberry Pi, mais c'est un écran tactile. Et puis assembler tout ça, donc Audiophonix, enfin ce qui vient directement en fait de chez Audiophonix, c'est le boîtier en aluminium noir. Donc on voit ici les anodisés noirs qui est très 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 joli. Alors il est évidemment beaucoup plus profond, et on le voit là, qu'une Squeezebox Touch, hein, sur une installation Wi-Fi, ça prendra beaucoup plus de place. Il est beaucoup plus lourd, beaucoup moins compact, mais aussi beaucoup plus logeable, et vous pouvez faire beaucoup plus de choses dedans, éventuellement vous pouvez même rajouter, je ne sais pas, des stockages ou des choses comme ça, pour pouvoir avoir un truc un peu sympa. L'écran 7 pouces par contre, tactile, est incomparablement plus grand, donc je vais la mettre en route dans un instant pour vous montrer. Et puis ici vous avez une alimentation qui est malheureusement, enfin malheureusement entre guillemets, en tout cas avec la partie d'accès spécifique, puisque c'est une alimentation 7 volts,
mais une alimentation de grande qualité qui vous permet d'avoir d'éviter le parasitage dans les sorties analogiques, puisque les sorties analogiques sont très sensibles à tout ça. Voilà en gros, et puis si vous voulez plus de détails sur le Rasp Touch, eh bien je vous renvoie vers ma vidéo donc, qui apparaîtra dans le petit i en haut à droite, et dans cette vidéo vous aurez l'assemblage complet de ce produit, puisque je l'ai demandé en kit pour pouvoir vous montrer dans le détail comment ce produit s'installe, se monte, et de quoi il est composé pour que vous ayez vraiment un aperçu de ce qu'il contient, pour que vous compreniez bien. Donc ce qui est spécifique, je reprends à Rasp Touch, c'est le boîtier, anodisé noir, et puis ici dans mon cas de figure, la sortie analogique avec sa partie alimentation secteur, mais vous pouvez très bien remplacer cette carte son analogique, enfin ce DAC analogique, par autre chose si vous préférez. À partir du moment où bien sûr vous avez la possibilité à l'arrière de l'y placer avec les trous qui existent. Voilà en gros, et puis le reste est plutôt standard, donc vous avez l'écran tactile 7 pouces du Raspberry Pi. Dedans, vous avez un Raspberry Pi et puis des prolongateurs pour pouvoir avoir des sorties, donc sortie carte SD ici à l'arrière. Alors cette platine ne va pas fonctionner toute seule. Il vous faut installer sur une carte SD un OS, une distribution. Dans mon cas de figure, je vais vous faire la démo avec Max2Play, qui est une distribution allemande, alors qui n'est pas open source. C'est pas ma préférée, mais c'est celle qui marchait le mieux pour mes cas d'utilisation. Donc que j'ai mis sur cette carte SD. Donc il suffit de télécharger l'image. D'ailleurs, ils ont une image qui est spécifique pour les platines qui ont un écran tactile. Et dedans, vous avez en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir venir configurer votre platine ici et puis récupérer la partie cliente et serveur équivalente à une Squeezebox en fait. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'elle est non seulement cette platine, elle est non seulement modulaire en termes de matériel, donc tout ce qui est là, vous allez pouvoir le remplacer si ça tombe en panne ou le faire évoluer. Si jamais vous avez des besoins qui changent, donc si jamais vous voulez passer de l'analogique au numérique, ou inversement, si jamais vous avez un Raspberry Pi à faire un upgrade. Alors pour le moment, elle n'est pas compatible Raspberry Pi 4, mais en tout cas, vous pouvez changer votre Raspberry si vous avez des soucis avec, etc. Donc tout peut changer, l'écran peut changer, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Et en plus, logiciellement, donc vous pouvez changer la distribution que vous avez pour obtenir quelque chose de plus sympa. Ou en tout cas, expérimenter autre chose. Et donc, comme c'est des cartes SD, c'est très facile de remplacer la carte SD, d'en mettre une autre, et d'expérimenter autre chose. Alors sur le côté ici, vous allez voir, il y a un interrupteur que j'ai aussi assemblé, hein, évidemment, vous retrouverez tout dans ma vidéo d'assemblage. Interrupteur donc qui permet de mettre sous tension le produit, donc on le voit là. Et puis vous allez voir que c'est un démarrage standard de Raspberry Pi, donc on voit les logos Raspberry Pi et compagnie. Et on va faire un démarrage donc de Max2Play. Alors l'alternative à Max2Play, il y a plusieurs distributions qui existent pour faire de la platine audio type Squeezebox. Les deux que je vous conseillerais, c'est Max2Play et Picor Player. Il y a d'autres logiciels qui existent, mais qui n'ont plus les interfaces du coup Squeezebox et qui me plaisent moins. Donc ici, vous allez voir qu'il y a Givlight qui démarre. Donc c'est l'interface graphique de la Squeezebox, donc qui a été extrait d'une Squeezebox en fait et puis généricisé en gros pour pouvoir tourner sur d'autres matériels. Et vous allez voir que si ici j'active ma Squeezebox, vous allez voir que les menus sont vraiment similaires. Donc j'ai branché mon Rasp Touch finalement en Wi-Fi. Au départ, il était câblé avec une prise RJ45 à l'arrière. Mais vous avez exactement les mêmes connectiques et les mêmes possibilités que sur la Squeezebox Touch. Donc vous avez du RJ45, vous avez de l'USB. Alors l'USB permet non seulement d'y connecter des disques durs et des clés USB, comme vous pourriez le faire ici, sans aucune limitation pour le coup de taille de stockage, puisque vous pouvez même mettre des SSD de très grande taille ou des disques durs de très grande taille, ce que vous ne pouvez pas faire là. Mais l'USB permet aussi, dans mon cas de figure, donc ce qu'on voit ici, le câble qui est là, il permet aussi d'y connecter mon ampli numérique, donc mon ampli SMSL AD18, avec sortie donc audio via le câble USB. Donc en fait, c'est la partie, je suis en pur numérique en fait. Donc ici, le son qui sort là est envoyé directement en numérique via l'USB à l'ampli. L'autre possibilité aurait été d'avoir ici une sortie numérique, donc coaxiale ou optique, pour la relier sur mon ampli numérique. Et puis j'ai des sorties analogiques, donc j'ai aussi fait glisser ici. Alors ne regardez pas la qualité des câbles, c'est vraiment des câbles de qualité médiocre, mais c'était pour vous, pour l'exemple ici pour cette vidéo. J'ai aussi testé en analogique, donc sortie RCA vers une sortie jack pour pouvoir le brancher sur un ampli quelconque. Ce qui fait un bon son, mais comme je ne suis pas équipé personnellement ni ici dans mon bureau ni dans mon séjour d'un ampli analogique, ça n'a quasiment aucun intérêt d'utiliser l'analogique chez moi, en tout cas pour mon cas de figure. Mais ça reste un produit intéressant si c'est ce qui vous intéresse aussi d'avoir un ampli analogique et une sortie analogique.
Donc, je reprends avec l'interface graphique. Donc ici, vous avez un espèce d'écran de verrouillage qui est spécifique à Max2Play. Max2Play, c'est une distribution qui est très sympa, mais qui a l'inconvénient d'être payante sur certains plugins. C'est pour ça que je suis un peu embêté à vous la mettre en avant, mais c'est celle qui m'a plu le plus par rapport à Picor Player et qui permet des choses un peu sympas. Donc vous voyez que l'écran de veille est assez similaire, donc vous pouvez faire afficher ici aussi l'heure si vous le souhaitez. Moi, c'est pas mon cas puisque je préfère que l'écran s'éteigne. Quand vous appuyez sur l'écran tactile, vous avez les mêmes menus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous êtes face à un. C'est comme si vous étiez face à une Squeezebox. Et une Squeezebox, ça peut être soit un client, donc purement l'interface que vous voyez ici, donc une interface tactile dans mon cas de figure cliente, mais vous aviez aussi des Squeezebox qui n'étaient pas tactiles, donc qui nécessitaient une télécommande ou un pavé pour naviguer dedans. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir la partie serveur de la Squeezebox. Donc, comme j'ai ici dans cette Squeezebox Touch, donc elle est équipée d'une partie cliente et d'une partie serveur, et c'est la partie serveur qui permet de gérer les pistes musicales. Et vous avez aussi la possibilité de mettre cette partie serveur sur d'autres produits. Un NAS, par exemple, donc comme je vous disais, mon NAS Synology. D'ailleurs, mon NAS est ici. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi l'installer sur PC, Mac, etc. Donc, il y a des logiciels serveurs qui existent que vous pouvez installer un peu n'importe où pour pouvoir partager votre musique. L'intérêt étant que ce sont des logiciels dédiés à la musique haute fidélité, et donc que vous avez quand même des protocoles et des manières de transférer la musique qui sont optimisées pour ça. Alors, donc ici, cette platine Rastouch, elle est à la fois équipée cliente et serveur. Donc, ce qui veut dire que chez vous, vous pouvez avoir plusieurs platines, Rastouch ou Squeezebox, plusieurs serveurs, donc installés soit directement dans une des platines Squeezebox, Rastouch et compagnie, soit installés sur un NAS, un PC et tout ça. Et sur chaque platine, ensuite, vous pouvez directement changer de collection, donc c'est-à-dire changer de serveur. Donc, si je vais dans ma musique, vous voyez qu'ici, j'ai l'option changer de collection. Donc, je peux demander à cette platine-ci d'aller sur le serveur Rastouch qui est là. Et maintenant, donc vous voyez, c'est écrit Rastouch. Et donc maintenant, cette platine-ci, cette partie cliente de cette platine-ci, est connectée sur le serveur Squeezebox qui est sur cette platine-là. Et donc, c'est extrêmement pratique puisque ça, vous comprenez rapidement que vous pouvez, dans une maison, avoir par exemple un serveur central qui gère la musique, et puis vous pouvez avoir plusieurs platines qui viennent s'y connecter dessus, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs serveurs et plusieurs platines. Donc ça, c'est très ergonomique, c'est très pratique. Donc après ça, je peux vous montrer ce qu'il y a comme musique. Donc ici, dès que je clique, donc ici on voit que je suis sur la Squeezebox Touch. Dès que je clique sur ma musique, on voit que je bascule sur le serveur Rastouch. Je peux aller voir les albums. J'ai mis deux albums sur cette platine-ci, pour le moment en tout cas, parce que je fais des tests. Donc je peux lancer une musique. Voilà, et la musique va jouer. Donc là, on l'entend pas évidemment parce que je l'ai pas branché. Puis sinon, j'aurais des copyrights, des problèmes de copyright YouTube. Mais on voit que la musique se joue. Et puis, vous avez la possibilité ensuite de changer la visualisation en fonction de ce que vous préférez. Donc voilà, ici, vous avez la partie cliente qui joue depuis mon serveur qui est là. Et puis, je peux faire la même chose ici. Donc, je peux aller dans les albums. Je peux lancer une autre chanson. Et là, vous voyez que je peux jouer deux chansons. Alors, de la même manière, je peux basculer entre les visuels. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes visuels, mais c'est le même principe. Normalement, j'ai aussi la possibilité de mettre ici, là, les vues maîtres, que je n'ai plus. J'ai dû les activer dans la partie configuration que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez, dans l'interface, régler le niveau de volume. Vous pouvez couper le son si nécessaire, donc en descendant à fond. Vous pouvez changer donc l'ordre de jeu des pistes. Donc vous pouvez programmer des playlists avec un effet de boucle, un effet de random, si vous voulez pas avoir que vos listes se jouent toujours dans le même sens, etc. Et puis retourner rapidement ici aux listes. Alors ce qui est flagrant, c'est la différence de fluidité. Alors non seulement déjà vous pouvez ici stocker des gigas voire des téras de musique dans cette platine parce que le Raspberry Pi tiendra le choc, mais en plus vous voyez que au niveau fluidité, le Raspberry Pi offre une ergonomie incomparable, et puis en plus l'écran là, c'est vraiment bluffant. Alors c'est pas un écran d'ultra haute qualité, mais quand même le piqué de cet écran est très 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 convenable, et pour une platine multimédia, enfin platine audio, c'est très agréable. Et donc ça gère très très bien les menus. Donc vous voyez que je navigue très rapidement les menus, là où ici c'est quand même un petit peu plus lent, un petit peu plus laborieux. Alors ça suffit largement, hein. Moi je m'en satisfais très bien de cette Squeezebox Touch. Ce qui me pose problème, c'est surtout sa capacité de stockage. Mais
Mais on voit ici qu'on a quand même quelque chose de très fluide, très rapide et donc très ergonomique. Alors, si je vais plus dans le détail sur cette platine, donc quand vous arrivez dans le menu principal, donc vous voyez quel est le nom de la platine que vous pouvez configurer, etc. Mais là, vous êtes sur la platine en elle-même. Quand vous allez dans Ma musique ici, donc vous voyez ici le nom du serveur et vous avez accès à ce que le serveur indexe. Donc vous avez des indexations par compositeur, par album, par type de musique, par genre, donc par année, des choses comme ça. Et puis sinon, vous avez accès en dur ou la manière dont la musique est stockée techniquement, donc en termes de répertoire. Donc là, vous êtes sur la partie serveur, avec sa possibilité aussi d'avoir des accès à des librairies distantes, donc d'autres librairies branchées dessus. Donc là, vous voyez que vous avez Squeezebox Touch avec la carte SD, donc vous pouvez faire des rebonds. Et puis là, je suis sur la partie cliente. La partie cliente me permet de me connecter à d'autres choses que des serveurs Squeezebox, en particulier Deezer, puisqu'il y a une compatibilité historique avec Deezer, puisqu'à l'époque, Deezer était un service... c'était un des meilleurs services de musique cloud. Donc il y avait un support des web radios, je ne sais pas s'il y a toujours des web radios, moi je sais que j'écoutais Classic & Jazz sur ma platine, des choses comme ça. Donc vous avez la possibilité d'avoir d'autres applications que vous pouvez évidemment installer en plus sur la platine. Donc tout ça, ça vient avec Squeezebox. Et puis vous avez en plus, spécifique à Max to Play, la possibilité d'installer Kodi. Alors Kodi, je l'ai essayé, je pense que si vous le voulez, je vous conseille pas de l'installer via Max to Play finalement. Tout simplement parce que, en fait, ça fait que simuler, je sais pas si on voit ici, il y a un curseur de souris, ça fait que simuler par le tactile la présence d'un curseur, mais ça vous permet d'éventuellement de jouer des fichiers musicaux, donc des clips musicaux ou des vidéos ou de la musique qui ne serait pas supportée directement par la Squeezebox. Donc vous pouvez aller dans musique ici, et du coup vous pouvez ajouter de la musique. Alors je vous montre pas dans le détail, mais c'est exactement, donc j'ai déjà fait des vidéos sur Kodi, donc je ne reviens pas dessus, mais en fait vous pouvez enregistrer des bibliothèques directement dans Kodi. Donc vous pouvez dire à votre platine où se trouvent les serveurs musicaux TLNA ou Samba ou NFS, enfin en fonction de comment vous partagez votre musique, vous pouvez lui dire où ça se trouve, et du coup vous pourrez ajouter ici des bibliothèques musicales, et donc ça vous permet éventuellement d'avoir un Kodi pour les choses que vous n'auriez pas, pour les musiques ou les formats qui ne tournerait pas nativement sous Squeezebox. Enfin, comme ça reste une Squeezebox, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est compatible avec tout l'univers Squeezebox existant, dont les applicatifs. Alors ici, en applicatif, j'ai par exemple Squeezer. Squeezer qui est une petite application qui permet de piloter une Squeezebox depuis une application Android. Donc là, j'ai mon téléphone. Donc on voit que le téléphone a détecté la Squeezebox Touch et le Rasp Touch, donc je me connecte dessus. Voilà, et on voit l'interface graphique donc sur mon téléphone. Alors je suis en local, hein, évidemment. Je peux choisir un album, donc à nouveau, je vais vous lancer quelque chose. Hop, donc on va aller là. Je vais choisir une musique. Voilà, tac. Celle-là, je vais la jouer, puis vous allez voir que la platine immédiatement, voilà, réagit, et puis joue la musique en question. Donc c'est intégré avec les notifications Android, donc vous avez une notification persistante sur Android, et puis vous pouvez mettre en pause la musique, donc si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez changer rapidement l'emplacement où vous êtes dans la musique. Hop, vous voyez, la platine réagit instantanément, vous pouvez mettre en pause, la platine réagit. C'est extrêmement pratique, extrêmement simple d'utilisation. Je trouve que l'univers Squeezebox, pour moi, alors je regrette que Logitech ait jeté l'éponge à ce niveau-là, mais je trouve que l'univers Squeezebox est vraiment idéal quand vous voulez écouter de la musique, et surtout de la musique de qualité. Alors j'ai encore plein de trucs à vous montrer, et en particulier la partie administration de cette platine, parce que, mine de rien, comme vous basculez dans le monde du Raspberry Pi et des OS un peu plus modernes, on va dire, qu'une Squeezebox, qui est très bien, mais dont le rôle était purement de jouer de la musique, et de servir de serveur de musique, vous bénéficiez d'un tas de choses. Donc en particulier, vous avez le site Max2Play, qui permet de faire le site local Max2Play, hein, puisque ici, cette platine ouvre aussi un serveur web. On le voit d'ailleurs là, puisque je suis connecté sur RaspTouch, qui est le nom réseau local de ma platine. Donc je suis connecté directement dessus, et ça, c'est le site qui est hébergé par cette platine. Donc c'est vrai aussi pour Picor Player, c'est vrai aussi pour d'autres distributions. Vous avez cette capacité directement depuis un serveur web de l'administrer. Donc en particulier, vous avez via les sections du haut ici, vous pouvez pour démarrer donc faire un réglage rapide, mais vous avez aussi des possibilités de réglage avancé. Donc en particulier de régler
Les paramètres du Raspberry Pi avec tout ce qui est compliqué en fait à régler en ligne de commande, donc sa fréquence, la manière de sa sortie audio préférée, des choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité de directement ici de gérer le paramétrage et le redémarrage de ce Raspberry Pi. En particulier aussi d'installer des plugins, puisque Max2Play propose la possibilité d'avoir des plugins. Alors malheureusement, Max2Play propose des plugins, enfin propose des choses payantes. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que je suis un petit peu embêté pour vous mettre en avant cette distribution-là. C'est celle qui m'a plu le plus, mais elle n'est pas open source à mon avis. En tout cas, j'ai pas vu de possibilité de voir ce qu'ils font exactement dans cette distribution-là. Et une partie des plugins, alors pas les plugins critiques, donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller sans problème, mais une partie des plugins sont payants. En tout cas, vous pouvez très facilement rajouter des plugins. Moi, j'ai rajouté par exemple la gestion audiophonique, donc la gestion du bouton ici latéral, et puis la gestion du DAC analogique qui est intégré dedans. Mais vous pouvez en ajouter d'autres si nécessaire. Et puis surtout là-dedans, vous avez un tas de choses que vous pouvez gérer, dont le serveur Squeezebox. Donc si je vous ouvre ici l'interface du serveur Squeezebox, vous voyez graphiquement via un serveur web, qui existe aussi hein, pour les variantes ici, puisque ça c'était ce qu'on avait avec mysqueezebox.com et compagnie, donc qui existe avec des variantes de la Squeezebox Touch, vous avez la possibilité ici d'administrer vos platines. Et donc on voit en haut là, on voit la possibilité de choisir sa platine. Donc ici si je suis sur la Rasp Touch, on voit la possibilité donc de choisir une musique et puis de lancer la lecture directement, hop, sur la platine. Et donc exactement comme avec un smartphone ici, je peux directement avec n'importe quel navigateur web chez moi administrer et piloter ma platine facilement. Alors l'autre chose qui peut être intéressante, c'est aussi de mettre de la musique sur cette platine. Pour mettre de la musique, cette platine, potentiellement aussi d'autres manières de faire, mais ici je vous montre, cette platine a la capacité d'ouvrir un serveur Samba, donc on le voit ici puisque dans la liste des machines sur le réseau, mon réseau Windows, j'ai bien un Rasp Touch. Donc je peux aller là, je peux ouvrir mon dossier musical et je peux y déposer de la musique. Donc j'ai choisi ici un fichier MP3 libre de droit parce que j'ai pas envie que YouTube me pose des problèmes. Voilà, donc là je viens de déposer mon fichier musical. On peut vérifier tout de suite si ça marche en lui demandant de le scanner. Donc on voit que le fichier a été détecté là-haut, donc Jazz Mango. Voilà, et puis on peut lui demander donc de jouer. Alors je le fais directement ici pour vous montrer que ça marche bien. Donc je choisis ici Play. On voit que la platine joue. Alors il faut juste que je change d'entrée ici puisque j'ai mon SMS LED 18 qui n'est pas sur l'USB. On va remettre au début quand même pour vous donner une idée de la musique. Donc autant vous dire que vous ne pourrez pas vous faire un avis sur la qualité musicale parce que je capte directement avec mes microphones qui sont soit dans l'appareil photo ici, soit là-haut en l'air. Donc ça ne vous donnera pas une idée du rendu. Le rendu est très qualitatif. Le seul truc, c'est que j'utilise la sortie USB qui est là, donc je suis en numérique, donc je suis en pur numérique jusqu'au moment de la conversion par l'ampli pour amplifier les enceintes. Sauf que je suis en 96 kHz, je ne peux pas monter au-delà avec la sortie USB. Ça reste quand même un son de très très bonne qualité, hein, mais je suis qu'en 96 kHz. Il me faudrait la possibilité d'avoir une sortie optique pour monter en 192 pour le taux d'échantillonnage. Ça changerait rien, je crois que c'est du 96 24 bits, et sinon je crois que c'est du 192 24 bits, donc sinon ça change rien pour le reste. Mais pour l'échantillonnage, donc il faudrait que je puisse passer en sortie optique, ce que je n'ai pas, puisqu'ici j'ai la version avec le DAC ISAP, donc la version analogique, donc je n'ai pas la sortie optique. Voilà, mais ça vous donne une idée de la facilité d'utilisation. Vous voyez, c'est du glisser-déposer, le fichier est indexé. Je peux y accéder depuis ma platine très facilement. Donc on voit maintenant que la platine ici connaît cette musique-là. Donc vous voyez ici que dans ma musique, si je vais dans les nouveautés,
Voilà, vous allez avoir ici. Alors malheureusement, j'ai pas mis les tags MP3 qui vont bien, mais vous voyez que le fichier est listé dans les top nouveautés. Jazzmongo. Donc, bah, ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à cette Rasp Touch. Elle consomme peu au niveau consommation électrique, mais de toute façon, c'est pas quelque chose que vous laissez sur le brancher sur le secteur en continu. Elle apporte toutes les fonctionnalités que vous avez ici avec une Squeezebox Touch, mais elle le fait mieux. Alors, elle le fait mieux sauf dans le format, puisqu'elle est beaucoup moins compacte. Alors, c'est pas très gênant si vous avez une installation Hi-Fi un peu volumineuse, c'est pas très gênant. Par contre, c'est vrai que bon, bah, c'est incomparable. Hein, c'est quasiment son seul point négatif, mais le format est incomparablement plus grand. Alors, en termes d'utilisation, enfin, en termes de format sur la façade, c'est pas beaucoup plus grand. Ça ressemble même beaucoup, donc moi j'aime bien le look, puis le fait d'avoir un grand écran tactile, c'est génial. Par contre, effectivement, c'est encombrant sur l'arrière, mais c'est une platine qui est extrêmement lourde. Alors, qui reste légère. Hein. Quand je dis extrêmement lourde, c'est pas non plus, hein, c'est-à-dire que je soulève à une main, voilà, c'est pas très lourd. Mais elle est lourde dans le sens où, si vous branchez des câbles un petit peu haut de gamme, moi je la vois pas basculer. En tout cas, vous voyez, quand je la soulève avec le doigt ici, elle reprend sa place. C'est une platine qui est très stable, lourde, bien faite. On voit qu'elle a un châssis aluminium ou acier. Je sais pas d'ailleurs si c'est de l'aluminium. Je pense que c'est de l'aluminium soudé. Enfin, elle a un châssis en tout cas qui est costaud et qui est très adapté pour de l'écoute hi-fi. Voilà. Et puis le petit bouton ici que j'avais installé permet de l'allumer et de l'éteindre. Donc avec les petits scripts qui vont bien, vous voyez que très facilement on peut éteindre la platine quand on a fini d'écouter sa musique. Et puis donc la platine s'arrête proprement. Ça c'est nécessaire parce que comme ça reste un Raspberry Pi, on peut pas s'amuser à couper le courant quand on veut éteindre cette platine. Vous risqueriez de corrompre le système de fichiers de la carte SD, là où il y a l'OS. Et donc ça poserait problème. Et enfin pour le fun, bah vous pouvez utiliser cette ensemble-là à d'autres fins. Donc il suffit, hop, je retire ma carte SD. Voilà ce à quoi j'ai dépensé un peu mon argent ces derniers temps. Je me suis acheté des cartes SD de bonne qualité. Et puis donc je me suis mis ici quelque chose que vous allez reconnaître. Hop, je la démarre et puis vous allez voir tout de suite ce que j'ai mis dessus. Si ça marche. Il y a toujours le risque que ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai mis une petite Recalbox dessus, juste pour le fun, c'est pas vraiment pour l'utiliser au quotidien, mais c'est pour vous montrer que bah, ça reste un Raspberry Pi, et donc comme n'importe quel Raspberry Pi, si vous avez par exemple ici une manette, par hasard, une manette qui traîne sous la main, vous pouvez facilement utiliser cette. Alors l'écran tactile n'est pas fonctionnel, il hein, faudrait que je le rende fonctionnel, mais je sais même pas si Recalbox supporte l'écran tactile. Moi c'est plus la sortie HDMI qui m'intéresse, qui est là, puisqu'elle a une sortie HDMI, évidemment, puisque ça reste un Raspberry Pi. Vous pouvez donc réutiliser cette platine à d'autres fins. Donc ça vous permet, juste en swappant, juste en remplaçant la carte SD, de réutiliser votre platine audio Hi-Fi en d'autres modes d'utilisation. Et en particulier, ici, vous avez Kodi qui est disponible, on le voit ici. Vous avez Kodi qui est disponible sur Recalbox. Et la version Kodi de Recalbox est beaucoup plus pratique, je trouve, que la version de Kodi qui est intégrée dans Max2Play. Donc vous pouvez, juste en remplaçant la carte SD, bah, basculer sur une platine de partage de fichiers en réseau pour regarder des films ou pour jouer à des jeux vidéo. Et du coup, ça vous fait coup double, cette platine, plutôt qu'être encombrante. Si vous l'avez dans un séjour, bah, vous pouvez l'utiliser à plusieurs fins. Alors par contre, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. C'est-à-dire que l'écran que vous avez là, vous pouvez tout à fait jouer avec. Donc je sais pas si ça a vraiment beaucoup d'intérêt, mais peut-être que ça vous suffira. Donc vous pouvez très bien jouer, si vous voulez, un petit jeu directement depuis l'écran de la platine Rasp Touch. Voilà, donc en gros, alors par contre, vous voyez, j'ai pas installé les scripts qui vont bien pour démarrer et éteindre le Raspberry Pi. Donc le voyant ne sait pas que la platine est allumée, j'ai pas l'arrêt logiciel de la platine. Mais sinon, tout marche bien. Donc ça peut vous donner des idées d'utilisation additionnelles. Comme par exemple platine de jeu ou platine pour li lire des films branchés directement sur la télé. Donc pour éviter d'avoir ce boîtier-là qui n'est qu'une seule utilisation. C'est aussi l'intérêt des Raspberry Pi, c'est de faire des choses qui sont assez diverses et variées, ce que ne permettrait pas de faire une Squeezebox Touch. Donc au final, je dirais pari réussi pour Audiophonix. Pourquoi? Parce que je les avais contactés initialement en leur soumettant mon challenge, à savoir que je souhaitais remplacer mon
Je souhaitais en tout cas trouver une alternative à cette Squeezebox Touch. J'avais entendu parler de leur Rasp Touch et je voulais voir de mes yeux, en tout cas pouvoir expérimenter, voir ce que ça valait et si c'était pratique à l'usage et si ça pouvait être un bon remplaçant. Et merci à eux d'avoir joué le jeu quelque part, en tout cas avoir bien voulu me prêter le matériel pour que je me fasse une bonne opinion. Ils ont d'ailleurs pas été du tout embêtants puisque ils m'ont envoyé, ça fait maintenant depuis fin mai que je l'ai. Alors qu'on est début août, donc j'avais demandé 4 semaines et ça fait bien plus longtemps que ça que je l'ai. Et c'est un excellent produit, j'en suis très 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 content. Alors c'est pas le produit parfait, il a quelques petits inconvénients, évidemment, mais bah, ça reste une très bonne alternative à cette Squeezebox Touch. Et ça surtout, ça corrige tous les problèmes que j'ai avec la Touch, en particulier donc ce que je vous disais, la limitation ici là sur la carte SD. Le fait qu'elle m'oblige à chaque fois en fait que je veux rajouter un nouvel album musical en FLAC, qu'elle m'oblige à supprimer l'album que j'ai déjà, enfin un album que j'ai déjà dessus pour faire de la place pour pouvoir mettre mon nouvel album. Ici, j'ai potentiellement un espace de stockage quasi illimité puisque non seulement j'ai ma 128 Go, ma carte SD de 128 Go dedans qui est montée en lecteur Samba donc accessible. Donc déjà j'ai 128 Go à la place de 32 Go, mais en plus je peux rajouter des lecteurs en USB, donc que ce soit disque dur, SSD ou clé. Donc potentiellement je peux monter très très loin en termes de stockage et donc vraiment mettre toutes mes playlists dedans. Donc c'est un très bon lecteur musical et ça remplace avantageusement donc ma Squeezebox Touch comme je vous le disais, ne serait-ce que par l'écran qui est magnifique, même si ça reste un écran de qualité standard. L'écran en lui-même est vraiment super. Et l'ergonomie, bah, c'est celle d'une Squeezebox, donc c'est exactement ce que je recherchais. Alors, si vous devez sauter le pas, et je vous le conseille, si c'est vraiment ce que vous cherchez, si vous cherchez une platine type Squeezebox, parce qu'évidemment, c'est pas une platine Chromecast Audio ou des choses comme ça, donc c'est une utilisation différente pour des écoutes plus musicales, etc. Il faut bien savoir qu'on se lance là-dessus, même si elle fait du DLNA, des choses comme ça, si vous en avez besoin. Moi, je vous conseille de partir sur les versions qui sont à... Alors, peut-être celle-ci d'ailleurs. Celle-ci coûte 350 euros. Si vous devez vous lancer, vous avez celle-ci à 350 euros et puis après ça, c'est à vous de regarder les variantes qu'il y a sur le site Audiophonix. Je crois que le ticket d'entrée doit être sur cette platine à 350 euros ou vous avez le DAC Sabre avec, je le rappelle, l'alimentation de qualité, donc l'alimentation 7 volts qui est là. Alimentation qui alimente donc toute la platine, que ce soit l'écran et compagnie, et puis qui est livré avec un Raspberry Pi et tout ce qui va bien. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir le Raspberry Pi 4, j'ai posé la question à Audiophonix. Vous voyez ici, vous avez la sortie Ethernet et puis là les ports USB. Actuellement, un Raspberry Pi 4 oblige à inverser port USB et port Ethernet, puisqu'ils ont changé la disposition. Et puis de la même manière, les sorties HDMI ne sont plus les mêmes, etc. Donc pour le moment, Audiophonix n'a pas encore de solution à base de Raspberry Pi 4. Ça viendra très probablement, mais ils n'en ont pas. Sachant qu'un Raspberry Pi 4 peut vous ouvrir encore de nouvelles opportunités. Pas pour la lecture d'audio musical, parce que même s'ils ont changé la prise jack, c'est pas ce que vous allez utiliser de toute façon pour écouter de l'audio. Mais ça peut être utile si vous changez l'OS. Donc que vous passez sur un autre OS que Max2Play ou que Picor Player, que vous voulez une carte SD qui fasse d'autres choses, ça peut être intéressant d'avoir un Raspberry bien plus puissant. Voilà, donc un ticket d'entrée à 350 euros. Pour moi, ça les vaut parce que quand on voit le prix de... Donc l'écran doit faire 70 euros, je crois, l'écran tactile. Un Raspberry Pi, ça fait dans les 40 euros. Le boîtier en lui-même, je crois qu'il doit valoir dans les 100 et quelques euros, 100, 150 euros. Faut bien voir que c'est pas non plus de la très grande production. Vous avez quand même ensuite tous les accessoires, donc ici le voyant d'alimentation lumineux et clignotant. Vous avez le DAC Sabre, qui est aussi un très très bon DAC en lui-même, en dehors même de cette utilisation-ci. C'est un très très bon DAC, un produit de qualitatif, qui coûte aussi, je crois, dans les 80 euros, je crois. Je mettrai ici, enfin je mettrai dans la vidéo le prix exact. Mais voilà, vous avez un ensemble qui, de toute façon, a un certain prix. Donc je pense que le prix de 350 euros est justifié, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai eue. Je ne peux que vous conseiller ce type de produit, mais à nouveau, je le dis. Mais c'est surtout à acheter si vous voulez un lecteur audio connecté type Squeezebox. Si c'est pour faire autre chose, c'est peut-être pas le produit le plus adapté. En tout cas, vous pouvez avoir d'autres distributions musicales, mais si c'est pour faire de la lecture de fichiers vidéo ou jouer à des jeux vidéo, des trucs comme ça, c'est pas un produit fait pour. Vous pouvez l'utiliser en alternatif, on va dire, mais c'est pas du tout à acheter si vous voulez faire ça. Voilà donc en gros ce que je pouvais dire sur le Rasp Touch, un produit qui m'a plus que convaincu.
Actuellement, donc, j'hésite vraiment à m'en acheter un de Rasp Touch. Actuellement, ma Squeezebox me plaît toujours. Hein, le seul souci que j'ai avec, c'est vraiment ce problème de 32 Go qui m'oblige à démarrer un autre produit quelque part, donc soit mon PC, soit mon NAS. Ce qui est complètement corrigé avec le Rasp Touch. Donc voilà, mais bon, ça fait un budget. Je ne sais pas si je le dépense là-dedans ou si je m'achète d'autres choses que je peux vous montrer après en vidéo et partager avec vous. Parce qu'évidemment, le budget que je mets là-dedans, bah, ce n'est pas le budget que je mets pour vous présenter des choses en vidéo. Voilà, bah vous me direz vous-même ce que vous pensez de ce produit-là, parce que j'ai vu dans la première vidéo qu'il y a des gens qui connaissent déjà et qui utilisent déjà, sous cette forme-là ou sous des alternatives, que ce soit même les suites logicielles comme Max2Play ou Picor Player. Donc si vous avez vous aussi une expérience autour de ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que les gens qui regardent cette vidéo bah, verront peut-être votre commentaire. Et donc soit bah, vous aurez la même expérience que moi, et donc vous pourrez aller dans mon sens, soit vous pourrez apporter une vision un petit peu différente en fonction de l'utilisation que vous en avez. En tout cas, merci encore donc à Audiophonix, cette boutique française, d'avoir été très sympathique et de m'avoir permis de tester ce produit. Et puis, je suis vraiment super content d'avoir découvert ça, parce que je sais que dès que ma Rasp Touch a un problème matériel, je sais que je bascule directement là-dessus. J'ai pu l'expérimenter pendant quelques semaines et ça marche du tonnerre. Voilà, bah j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt, bah pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!